passer qui est important. C'est rester là, goumen, parce que c'était ça la cérémonie du bacaïman. Nous étions là, nous réunis, pas dans des hôtels bien sûr, mais réunis dans le coin par nous et dans l'espace par nous. Et puis pour nous dire, évidemment, mais nous voulons pas gagner inégalité encore, pas gagner corruption, pas gagner violence. Mais la cérémonie du bacaïman, José Pérez, c'est aussi la vision d'un avenir libre et juste. C'est la vision d'un avenir libre et juste. Participant dans Bois Caïman, qui réveille un avenir, côté où tu es capable libre et maître des destins. Vision ça, pour une société libre, juste et équitable, tu es incité pour bâtir un pays côté droit et dignité pour chaque monde respecté. Je pense que c'est là, je ne veux dire, un Bois Caïman important pour nous, parce que je dis à 14 août, ça fait 233 ans, qu'est-ce que nous allons faire de la cérémonie du Bois Caïman? Qui ça nous parle faire, je ne veux dire, de 14 août 1791, parce qu'il est capable d'inspirer nous, dans le sens que il inspire nous une unité, il inspire nous une solidarité, quand il nous dit, t'es ça, c'est pour nous lier, et moi-même, moi rêvé, je ne veux dire, Josien Pérez, yon cérémonie Bois Caïman 2-0. L'aime dit yon cérémonie Bois Caïman 2-0, je voulais parler d'un cérémonie Bois Caïman nouvelle version. Nouvelle version, dans le sens que on nous réunit, côté nous réunit, dans le coin nous réunit, dans le monde nous réunit, pour nous dire comme ça, pays ça c'est pour nous, c'est-à-dire c'est le bien commun. Et deuxièmement, la cause commune, c'est que nous avons besoin de sécurité dans ce pays. Nous avons besoin de sécurité dans le pays, hein? mais ça n'a fait pour au moins nous gagner une vision claire de ce pays, sans que nous ne soyons pas obligés à courir à droite à gauche, à Kaibaden, à Mexique, à le Canada, etc. Nous étions dans le pays. Hein. Parce que j'ai l'impression que, parce que on dit comme ça, on dit, gain plan A, gain plan B. José Pérez, moi-même, c'est Youn dans le monde, et là, Wilkinson, on a habitué par là, Wilkinson, sous ça. À partir du moment où on gagne un plan B, ou échoué. Parce que nous-mêmes haïtiens, nous avons plan A, nous avons plan B, nous avons plan C. Bon, pays n'est pas bon, c'est vrai, nous n'avons pas qu'à manger, nous n'avons pas qu'à l'hôpital, nous n'avons pas qu'à médecin, hein? Nous n'avons pas qu'à dormir bien. Mais nous avons plan B, c'est qui ça? Al-Qaïda Biden. Plan C, c'est qui ça? Et nous avons des amis dans la diaspora qui ont un petit monnaie pour nous, un petit transfert de temps en temps. Donc, le fait que nous avons plusieurs plans, nous avons le plan B, le plan A, le plan B, le plan C. Donc, nous pas vraiment attachés nous à cette terre, à ce territoire, pour nous, ça n'était capable de faire pour lui. Il fallait apprendre fond bagaille pour le territoire, ça. Et cette terre que nous habitons et cette terre qui nous habite, il fallait apprendre fond bagaille pour lui. Pas grave, faire plan A, plan B, plan C. Nous avons un seul plan, le plan A. Le plan A, c'est quoi? Le plan A, c'est que nous habitons cette terre. Nous voulons toujours habiter cette terre et nous apprêter là pour nous dire comme ça, mais ça nous voulait. Mais ça, nous capables de faire pour lui, sans que nous ne soyons obligés à Al-Qaïda Biden, sans que nous ne soyons obligés à attendre un transfert. Et là, Gombaga et Mounio peut-être pas comprendre, majorité mouvement de protestation qu'a fait contre les inégalités, contre la corruption, ou bien contre la mauvaise gouvernance, bien sûr, il va comprendre pour qui ça. C'est parce que la petite fille, la petite voisine que vous avez à côté, bien sûr, la petite voisine, il va voir la manifestation parce que, pour qui ça, parce que le grand ménage, ou bien le grand tonton, le grand matante, qui voit un petit transfert pour lui de temps en temps. Et chaque fois qu'il voit un petit transfert pour lui de temps en temps, il fait marcher, il plaît qu'à l'inette. Pas de nécessité parce que pour qu'on sente grand goût. J'ai l'impression que difficulté, yo. Pourquoi assez énorme journée aujourd'hui pour nous prendre responsabilité nous. Et cérémonie Bois Caïman ça sont symbole d'unité, sont symbole de solidarité et sont symbole de résistance et sont symbole tout de une vision d'un avenir libre et juste. Un symbole d'unité et solidarité. Pour qui ça me dit ça, c'est parce que yoté unio bien avant, bien sûr, pour yo sortir de l'oppression, pour yo sortir de l'esclavage, pour yo sortir de tout ça, pas le bon de l'oppression coloniale, bien sûr, mais tout
parce que cause commune là, c'était qui ça le dit, c'est la lutte pour la liberté. Je ne vous dis hein, c'est aussi la lutte pour la liberté parce qu'on n'est pas libre aujourd'hui, on n'est pas libre du tout, hein, on n'est pas libre. Mais à nous reformuler, je ne vous dis hein, c'est sécurité nous besoin et c'est la cause commune. Et moi j'espère que notre cher premier ministre le docteur Gary Conille connaît ça bien. Notre cause commune, je veux dire, c'est la sécurité. Rétablir la sécurité. Et si nous pas fait, en réalité, nous pas même besoin parler de 233 ans et cérémonie Bois Caïman, ça a été faite en 1791, là, José Pérez. Merci, Robinson. Merci pour belle réalisation qu'on fait sous cérémonie Bois Caïman, une cérémonie qui gagne toute importance et cérémonie ça c'est les mêmes qui ban nous ça nous est là qui indépendance et qui ban nous liberté ça et je veux dire elle capable inspirer nous et ça fait me dit tout bagaille. Et cérémonie Bois Caïman ça d'amen une cérémonie Bois Caïman 2.0 ça veut dire quoi, c'est-à-dire une nouvelle version de la cérémonie du Bois Caïman, c'est-à-dire que et en termes de valeurs unité, solidarité, résistance, détermination, vision de un avenir libre et juste. Justin Pérez. Et de nous parler de cérémonie ça tout, c'est pas une cérémonie que côté que les ancêtres nous ont fait, ils ont pensé que il y a des gens qui cavalent et qui pas cavalent au Caï, ou qui pas cavalent Jérémy, ou qui pas cavalent Bon Cabrit, ou qui pas cavalent et Plateau Central. Non. Il y a des gens qui dans la cérémonie ça pour que nous prenions liberté, nous, pour nous libres. Et une fois, quel que soit étranger qui est en esclavage, pile bouteille haïtien, il est libre. Et c'est ça. Et c'est ça, tout esprit qui t'a communiqué, toutes les ancêtres, nous, toute force mystique, nous, et toute positivité, c'est à ça que tu es mené. C'est pas des positivités des gens qui disent, bah, c'est ça, on a dit, bah, c'est de bagarre, non. Il veut dire que tu prends toute force, yo. Il veut dire que nous prenons entendre nous pour que nous dégagions l'énergie, nous, positif, et pour nous capables de gagner. Énergie positive. Et là, pendant parler de l'énergie positive, là, José Pérez, et m'a souligné que cérémonie Bois Caïman, c'était un complot. C'était un bon complot, un complot positif. Et je ne veux dire, si ça me voulait là, moi je voulais un complot positif contre l'insécurité. Moi je voulais un complot positif contre les gangs armés. Moi je voulais un complot positif et contre l'indécence aussi. Ah là, il faut me souligner ça. Contre l'indécence. Hein? M'bakage en CP. Au conseil présidentiel de transition, et même temps, il y a trois membres dans le conseil présidentiel là qui soupçonnaient dans des séries de bagarres corruption, dans les affaires de corruption. Donc, c'est un complot non seulement contre l'indécence, contre l'insécurité, et c'est un complot pour la vie, quoi. Donc, et on essaie d'exploiter, on essaie d'inspirer nous de la cérémonie du Bois Caïman, parce que la cérémonie du Bois Caïman, c'est ça. Et c'est pas simplement, et nous pas qu'elles font l'autre cérémonie, et côté nous, chita dans des hôtels, ou même que, pas comprendre ça, hein, pas comprendre ça, dès que ça aussi, et l'on prend, par exemple, beaucoup moins nous prend Cécile, dès que ça, ils étaient dans la forêt, côté à comploter positivement contre, bien sûr, l'oppression, contre l'injustice, et on nous essaie de faire ça, on nous essaie de tenter, bien sûr, tenter. Une cérémonie du Bois Caïman 2.0, c'est-à-dire une nouvelle version de la cérémonie du Bois Caïman. Et c'est la proposition que je fais à Boukanti la parole. Et c'est tout à fait et d'accord en termes de proposition, une proposition positive, une proposition qui va gagner pour avec négativité. Et je vous dis, pendant la paille de cérémonie, nous-mêmes, tout, nous avons raté des occasions alors, parce que le pays, ça a gagné des événements que nous vivons. Et bien, c'est un complot que nous avons fait, c'est en 1990, après la dictature, pour que nous ne pouvons mettre jamais Aristide au pouvoir. Et ceci dit, c'est un complot qui était fait avec la masse. C'est-à-dire que qui était gagné en partie dans le secteur privé. Mais c'était un complot aveugle.
Bon, que toute la population font complot. Que toute la population font complot pour mettre Elisabeth Aristide. On complot aveugle. Mon ami Owenson d'Haïti, c'est que même si complot est aveugle, nous cabal tout non. Mais démontrer que les noms étaient fausses, nous ensemble. Mais regardez incidence négative. Deux mandats, nous avons été à l'extérieur. Sauf vie, nous, les étudiants, sans complot aveugle. Ou quand mettez tout ça en question, le premier mandat ou bien deuxième mandat, mais moi, je m'en montre que le nous réunit fausses, nous, nous puissants. Certainement. Oui, on a voulu le faire. Vous voulez faire, les nous défaire. Ok, cela veut dire que à chaque fois, nous gagnons des opportunités, par exemple, après le tremblement de terre, nous te font complot. On complot pour vivre ensemble. Yeah. Et c'est la risque de te marcher. Mm-hmm. Et je pensais, si Haïtien, même Jean, les ancêtres nous ont inspiré, Bois Caïman, et c'est là, pendant que toute force, toute énergie est ensemble, pour que nous te font demande pour Haïti, moi, c'est de gagner chance pour que nous ne qui tomber, comme Jacques Bois Caïman. C'est que parfois, nous-mêmes, Haïtiens, et nous avons parlé tout dernièrement avec un étranger de pays, ça. Dis-moi, à chaque fois que j'entends parler de pays, le problème qui est dans le pays, ce n'est pas le pays qui a un problème. Là. C'est le monde qui a vécu dans le pays qui a un problème. Je dis, si on retire tout le monde en Haïti, il y a n'importe quelle nation en Haïti. La prospère, la belle, la prébâtie et la bonne l'autre vie et Haïti a besoin de venir là-dedans encore. Il y a une gâtée de l'ambiance si on ne peut pas mettre des structures. Moi, je pense que, je dis à Robinson, quel que soit le monde qui a privé dans l'État, quel que soit citoyen haïtien, il y a une grande bagaille qui la caillou, c'est l'égoïsme, la jalousie et puis l'hypocrisie. Je dis, hein, même le, ou avec monde, ou avec autorité, il pas le fond erreur, ou mettre dans un droit chemin, pour dire non, pas là, soit la mise à la privé, quand vous êtes arrivé pour faire erreur, vous préférez mis avant, vous préférez éliminer pour faire erreur. Et c'est là le fin de faire qu'on a accouché la carte ou bien son dégagement. Oui, c'est vrai. Je vous dis, il y a un peu de monde qui comprennent que un directeur d'opinion ou bien un directeur média, c'est l'argent qui est intéressé. Oui, quand il y a l'argent qui est intéressé le directeur média, quand il y a l'argent qui est intéressé le directeur d'opinion. Et bien sûr, parce qu'il fait dépenses. Il fait dépenses, on met des gaz, on se débat. Bien sûr. Mais je veux dire, il y a une chose qui est cruciale, il y a une chose qui est importante dans la vie de l'homme haïtien. Si nous pas commencer à la base, on a dit hier soir, pour que nous commençons à faire éducation, peuple là. Mm. Parce que je ne veux dire, toute éducation qu'on a gagné, tout qu'on a fait pas avant dans l'école, tout volé. Parce que je ne veux dire, il y a des mondes sur une institution civique là, bah, c'est ça parce qu'il y a des mines à l'école, qu'on y a. Il dit que civique est moral. Moi, livre, j'aime haïtien, retourner dans certaines écoles, moi, retourner dans certaines écoles parce que bon cours, Nesmi Maniga, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, t'es metté, en fait, bon cours que le métier qui est l'éducation à la citoyenneté. Mm-hmm. Étant donné que pas vraiment gain des ouvrages qui disponibles, gain certaines écoles qui tournaient avec l'IFSAM ou les J'aime Haïti on bail comme ça. Mais c'est intéressant. J'aime Haïti. Mais il y en a pas à me dire de haïtien. Mais qui sont bluffent tout parce que écoutez. Fait des petits monde jeune aujourd'hui qui a 14 ans, qui a 15 ans qui a mon livre qui les J'aime Haïti pendant que l'appliquer pour Biden, excusez-moi le mot, c'est du bullshit ça. Non, mais écoutez, vous prêtez le mot à nous tricher. C'est du bouchette. Écoutez, si vous l'appliquez, maman l'appliquez ou bien ils font fin, on l'a appliqué pour lui. Et puis le bon livre qui est le J'aime Haïti. L'appliquez, la prière bon Dieu pour Biden lui tomber. Et puis le livre l'a fait étudier avec le J'aime Haïti. C'est vrai. Sauf à Ous, J'aime Haïti. Et ceci dit, Robinson, Guillaume moi que Haïtien, tellement problème de sécurité à monter dans la tête, non? Dingo, chômage, vu notre gens retirer toute bonne humeur que nous avons gagné. Nous avons gagné.
Ouais, c'est vrai. Et je dis, il y a des nouvelles dans la dimension ça. Et si vous regardez qui gens nos politiciens, quel que soit secteur, quel que soit niveau, comprend mon son architecte, un ingénieur, un docteur, un avocat, quel que soit niveau que l'irrivé dans domaine, il a fait doctoral tout, il a fait n'importe bagaille. Je dis, date qui te symbolise des dates historiques et importantes pour Haïtien, de passer dans le papier. C'est non, mais il va passer dans le papier. C'est le premier monde qui m'a demandé. Il a fait manifestation avec eux. Il a fait manifestation avec eux. Des manifestations, côté des gens qui ont mouru, côté des gens qui ont pris une balle, côté des gens qui disparaissent. C'est ça qui feeling yo. Tandis que dans d'autres pays, à travers le monde, les dates historiques de ce pays, par exemple les États-Unis, 4 juillet, personne, monde, quel que soit américain, osé faire un mouvement qui va gagner pour eux avec date indépendance des États-Unis. C'est même chose pour ça même. Et je dis, nous-mêmes en Haïti, où les gars sont fiertés pour dire que 5 décembre, manifestation. Mm-hmm. 2 janvier, 1er janvier, 2 janvier, manifestation. 18 novembre, manifestation. 18 novembre, manifestation. Mm-hmm. 17 et octobre, manifestation. Et puis, c'est mon livre qui m'a quitté Haïti. Et tandis que, qu'on est là, le petit monde qui l'école là, Robinson, a gardé date ça, il faut demander papa à la maman, mais date ça, 18 mai, c'est fait du drapeau. Oui, mais quelle est la force symbolique de cette date? Qui est force symbolique de ça? Ou pas répondre. Ou pas répondre. Et puis, si tu as répondu, c'est avec hypocrisie. Et qui est-ce qui a mis nous dans la dimension ça? C'est monde qui aspirait pour une sénateur, une présidente, une députée. Et monde ça, là où il y a une présidente, une députée, une sénateur, c'est monde ça qu'on a qui prend le compte ou même qui a fait une législation dans la date ça. Tandis que vous-même, vous oubliez si c'est vous-même qui instruit en erreur pour toujours prendre la rue dans la date ça. Parce que ça va montrer que ça que le respect que Haïtien a baillé et propre Haïti Haïtien est vraiment loin de là pour nous arriver dans la dimension ça. Et tout le temps, n'est qu'à faire politique dans le pays, parti politique qui a émergé dans le pays, nous pas changer d'ordre ça, nous pas changer mentalité ça, pays a fait commencer nous foutu parce que nos générations qui a venir ne va pas continuer à induire en erreur. Moi-même, je n'ai pas de problème, Robinson, à quel que soit le monde qui a un problème avec un gouvernement. D'ailleurs, dans tous les pays du monde, il y a des activistes politiques, il y a des leaders politiques. Mais il y a une façon de le faire. Il y a une façon de le faire, Robinson. Il faut respecter la modalité. OK. Par exemple, aux États-Unis, il y a un pays qui est développé, en France, Canada. Il y a des méthodes. Ça ne veut pas dire que le pays a marché bien par les armes. Non, absolument mais pas. Mais il y a des problèmes. Et je vais changer qu'il y a des gros problèmes des États-Unis. Trouver des problèmes économiques qui éclaboussent ces pays. Mais il y a deux partis politiques, démocrates et républicains, qui font partie du Congrès. Hein, et qui chitent à Washington, qui disent hey, écoute, malgré toutes les différences que nous gagnons, là, on nous met les différences de côté, on nous prend pays pour nous sauver. Et puis il a sauvé plusieurs fois. Parce que, aujourd'hui, il y a conscience, patriotisme pour sauver le pays. En Haïti, pas quelqu'un qui a capable de dire que y a un leader qui a un esprit, équipe, ou bien qui a une vision pour changer Haïti. Personne ne pas gagner. Et si il venir, mais pas aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, Robinson. Mais où tout ça, où tous ces animaux politiques? Animal politique. Non, pas animal politique, c'est animaux, dans le vrai sens du terme, hein. Animaux, oui. Et Josie, hein, m'a regardé au monde, mais c'est bien dommage que m'a regardé, parce que n'y parle encore de mourir, avec tout le respect que m'y a pour moi, monsieur, mais l'entendez deux bagailles que monsieur fait payer ça, respect m'a pour monsieur, hein, mon contingent diminué, je vais parler de monsieur qui dégage sa prépare. Parce que, par exemple, on parle de COP de Petro-Caribé. Des gaspillages de Petro Caribe. Monde qui mignonne dans le corps de Petro Caribe, puis qui commence à faire, c'est René Gassa Prival. Et René Gassa Prival fait des élections, produit des mons, et mons, que le produit, ce sont des gens qui ne vont jamais camper devant une population, un peuple. Un jour, il fait au sénateur, il fait au député. Mon achat à la Cali, et puis c'est dans les il dit mon cher, on va prêter ses mains, on va demander, et on va vous faire ce pour, on va demander qui s'en va aller, ou sénateur, ou député.
Joudinien, Irénée Préval fait tout, dit pas jamais à le camp de Vran Moun en 2006, hein? Et puis, Préval président. Sans dire un mot. Sans dire un mot, oui, c'est et vrai. Et Joudinien, là, l'autre pays, l'autre nation, a gardé nous. Qui ça vous dit, tout, par exemple, que la France ou bien les États-Unis, m'a regardé les pays, parce que nous sommes déjà à les avec eux. On regarde ce qui a passé aux États-Unis entre Kamala Harris et Donald Trump. On campagne serrée, serré, très serrée. Et ça qui a regardé les Américains, a regardé qui ça petit, moi, qui a venu petit, moi, qui a venu génération qui a venu après. On regarde les politiques Donald Trump, on regarde les politiques Kamala Harris. Pour mes côtés, je me retrouve. Oui, ça c'est au niveau de la population, mais l'establishment okay. américain qui s'est demandé lui-même, qui s'est levé. Ouais. Et Joudinien et Robinson, les Américains qui sont sur ça. Ils disent que Biden, l'âge, monsieur, monsieur pas capable de mandat. C'est ça, nous supposons gagner. Oui. C'est réflexion ça. C'est pour réflexion avec nous supposons gagner. Même si nous sommes même non. À l'âge de M. Biden, si M. prend un deuxième mandat, qui calme les États-Unis, et il y a même des gens dans la partie démocrate qui dit, hey, si mal financé campagne Joe Biden, à l'âge de ça, je ne vais pas demander pour retirer quoi, c'est quoi ce mandat, je vais conduire en erreur. Et il fait des pressions. Ouais, et c'est ouais. ça, on a quoi voir hier soir. Il fait des groupes de pression. Pour dire que si Biden ne pas retirer l'école dans le ça, nous va financer la campagne. Là. Et voilà que le résultat, Biden va faire encore. Même M. Obama, l'ancien président américain, obligé de déplacer. Obama, monsieur dit, monsieur, hey. Il faut obligé de déplacer. Oui. Et qu'on y a là, il faut remettre Kamala ici. Je dis à qui n'est-ce pas, vous avez dit que, hey, on regarde les changer. Ah, même si l'on a agonie, même si l'on a agonie, même si l'on a agonie. Non, je veux dire ceci, je change l'élection qui pramenait Jovenel Moïse et président, l'élection s'est gâtée quelque part, gagné une coalition qui fait qu'il y a 7 monde, qu'il y a 8 monde là-dedans. Jongé, t'es gagné et Judith Destin, t'es gagné Eric Jean-Baptiste, t'es gagné et t'es là dans le dos, et t'es gagné Maurice Jean-Charles de là-dedans, et c'est que t'es gagné 7 à 8 monde qui t'es campé contre Jovenel Moïse, et qui ça t'a dit, t'es dit que, dans quoi ils sont ça, en affaire, nous tous, nous être devant, nous allons camper des Gilles Célestin en bloc, nous allons voter face à Jovenel Moïse. Claire. Eh bien, mon frère, l'élection est venue pour le faire. Gilles Célestin, et bien ça, bah, Gilles Célestin, son tête fait mal, qui va jamais passer pour juste pas parler voilà. Parce que Gilles Célestin a dit, et là, ça, tout candidat, ça ne va pas rien. Monde qui met question, Gilles Célestin, si Gilles Célestin est d'accord, c'est fini. Eh bien, je dois entrer pour le job, dans le compromis avec eux. Je dis pas moi, si tout le monde soit quand deuxième tour, une tête à la poste, un président. Oh oh. Et là, on a ce deuxième tour, chaque monde sorti, vous avez voté pour eux. C'est pour montrer l'unité que nous avons gagné en 1804 là. Pas des haïtiens qui gagnent. Oui, bien avant, même bien avant 1804, depuis 1791, et ça fait jeune Jodian et Justin Pérez nous demander solennellement dans Boucanté la parole une cérémonie du Bois Caïman 2.0, c'est-à-dire une nouvelle version de la cérémonie du Bois Caïman. Côté nous apprenons unité et solidarité. Dans unité et solidarité, il faut que nous identifions qui ça qui est bien commun nous, par l'autre bagaille que Haïti, c'est bien nous toutes que liés. Et la cause commune qu'il ne faut jamais oublier, bien sûr, je dis, hein, c'est la sécurité. Et évidemment, et faut nous une vision libre et juste, bien sûr, de cet Haïti pour nous garder, pour nous capable au moins rester dans le pays ça. Parce que à partir du moment où vous laissez votre pays, vous quittez votre pays parce que vous voulez échapper au problème, il y a un gros problème encore. Le gros problème, c'est que le pays n'a pas besoin de pays, jamais et jamais et jamais le CPS. Oui, et moi, c'est que nous faisons un bel rallye et sous ça, Robinson, parce que pays et Haïti et peuple là,
attendez nous et m'espérer que yo apprendre et inspirer de la cérémonie du bois caïman. Et yo même nous devrions aller aujourd'hui en Robinson, deuxième n'a regardé là et parler que n'a fait là, c'est un mouvement et une position commune que la primature et conseil présidentiel la prend sous passation et BNCA. Si on a parlé de prestation de Luis Abinader comme président de la République dominicaine, côté que CPAD n'est pas pour présenter parce que. Ah oui, justement, c'est pas seulement le CP, c'est pas seulement le conseil présidentiel de transition, c'est aussi le premier ministre, le docteur Gary Conné, et il a décliné complètement l'invitation pour participer dans l'investiture Luis Abinader qui a fait 16 août. Août. Et je pense que c'est un acte de souveraineté, oui, il méritait ça. Je pense que la République dominicaine méritait ça. Très sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait une opinion contraire. Je pense que la République dominicaine Ismaël Valestin, on revient. C'est un gros joueur émission ça. Ouais. Ismaël Valestin, bien sûr. Ismaël Valestin. M. Sénégal Cap, M. Sénégal Plaine du Nord, qui connaît Bois Caïman très bien. Ils sont peut-être très mystiques, tout. Valestin, comment est-ce? Salut, Félix, je salue tout le monde, et Radio Méga, et Réseau Uni qui fait route là avec l'émission Boukate et la parole. Bon, nous là, on a passé Kembe, la bataille, nous allons aller, on va tout ça. On a fonctionné dans l'image qu'il y a. Mais ça n'a pas empêché PES, malgré une situation difficile, ville provinciale continue à psychocorporer, notamment ça a un rapport avec les questions patronales. Ça nous est les champêtres et en pile côté, nous me rappelons. Il était bon mouvement avant le président, avant le capacité de CPT. C'est une promotion pour quand tu as montré cette champette-là, c'est pour tout le temps de développement communal. Là, on est debout dans la période de Outre-Pérès, dans la période Notre-Dame, en pile côté, en d'un pays à prêter, notamment Wanamet, Cap-Haïtien, Tivoire, Okaï. Bon, en pile monde, il doit aller à l'Évillé, il va pas capable d'aller, en pile monde. Un monde qui peut-être Kakembe, au moins, il y a un conseil avion quand même, il y a au CAI. Mais, bon soir, pendant la période de notre Dame Napire, c'est la deuxième ville PIA, la ville Cap-Haïtien, vraiment, pendant toute la période de notre Dame, c'est vraiment en pile activité qui gagnait. Et que ce soit activité qui lie avec mairie et Cap-Haïtien, puisqu'il connaît. Mairie a lui-même été lancé activité patronale vers le Cap Haïtien depuis le 7 août. Mais avant le 7 août, PRS a gagné et Jazz Gap au Cap Haïtien. On peut parler de Japon depuis le 3 août. Il a déjà évolué au Cap Haïtien dans la Caïba Restaurant. Pendant toute semaine, ça a eu un pile jazz qui performait, qui sont tradition depuis des années. Pour le groupe New Look, dans la deuxième ville PIA, chaque 12 août, qui est toujours joué dans la deuxième ville PIA, je fais PRS. Hier soir encore, Tropicana, Concert 61, l'Anneli, son tradition qui est en pile l'année, vieille date, doublée. Et à Souéa, la performer dans Wanamet, dans l'occasion Notre-Dame toujours. Mais c'est un pile ambiance, un pile animation, un pile monde fait déplacement. Ce qu'on connaît aujourd'hui, Justin Pérez, c'est Cap-Haïtien, ni connecté depuis 2015, ni connecté avec Miami, Floride, si vous voulez comme ça. Je connaissais avec facilité si mon besoin Cap-Haïtien, capable de prendre un avion de Floride, puis je atterri dans la deuxième ville pays. Bon, c'est vrai, il y a plus de fois qu'à faire pour le nombre d'avions qui ont augmenté. À présent, il y a deux compagnies seulement qui font Floride, Cap-Haïtien, Floride. Nous voulons parler de Spirit. Et Sunrise, c'est American Airlines qui fait les zones, mais depuis quelque temps, ils ont campé. Et ils ont campé,
Mais il y a des gens qui ont fait, mais qu'on est avec la mairie et direction aéroport capaïtien, que ce soit américaine et JetBlue qui sont capables de retourner dans la deuxième ville de l'IA. Mais vraiment, Pérez, j'aime du l'IA, et moi, pas voulu nous convertir à Haïti à Port-au-Prince, moi, pas voulu nous réduire Haïti à Port-au-Prince, même si Port-au-Prince, là, les villes s'allient aujourd'hui. Mais ville de province, il n'y a pas de bouger, je suis le PRS. Alors, je pose une question avec Ismaël Valestin. Ismaël Valestin, c'est Robinson d'Haïti. Bien évidemment, hier soir, nous avons parlé de Mério, on parlait d'une période de fête, on parlait d'une période de fête et au niveau du Cap. Et comment conditions sanitaires, je vous le dis, parce que Jocelyn Pérez était à zéro et sur le plan sanitaire au Cap, sur le plan sanitaire. C'est Haïti même, en soi, Robinson d'Haïti qui sale. Et baisé ou à Cap Haïtien, c'est baisé ou à toute l'autre ville qui existait. Bon. Donc, mettons si bémol tout petit à toute grande ville qui existait dans le pays. Baisé ou à Cap Haïtien, c'est baisé ou à toute grande ville qui existait dans le pays. Mais ça arrivait à chaque fois dans l'époque, ça, Robinson d'Haïti, que ça m'intéresse. Il y a des efforts et autorités municipales toujours faire en façon pour recevoir pèlerins qui sortent tout partout pour venir visiter et Villio, pour venir visiter et Fomigno dans l'occasion de Champagne, toujours pas plus d'efforts. Et situation ville Cap Haïtien n'est pas différent de Léoka, il n'est pas différent de Port-au-Prince. Bon, Port-au-Prince là, je ne vais même pas parler de lui, capitale Villia qui censé disparaître aujourd'hui. Toutes les institutions, si vous voulez, ils sont obligés de déplacer toutes les institutions. C'est chacun peut essayer d'épapiller notre commune, côté estimé, mon capable de fonctionner dans notre commune. Donc, capital PL, pas capable de parler depuis aujourd'hui. Mais capable pendant la période de fête là, c'est un constat, mais même avant fête là, nous sentis, mais capable de même d'a bouger pour eux, pour moi, pour capable de faire l'espace boulevard. Espace boulevard, lui-même est libre. Alors, il y a le travail qui est attribution la mairie deuxième ville pays. Par exemple, sous point zone l'autre barrière, sous le tableau, il faut ça rentrer dans la deuxième ville pays. Ça, il y a un rapport avec le travail public. Ça veut dire, là où il y a un écrasé, ou un canal qui pas canalisation qui est en mauvais état, un canal qui pas fait Robinson d'Haïti, juste m'intéresse, ou toujours ou dans la salle. Tout palais, on a parlé des boulevards Cap Haïtien qui propre Jean Lia, c'est là tout le monde réuni depuis l'activité. Et ouais, ils vont même entrer dans une initiative pour longer le boulevard jusqu'à Carrefour Aéroport, jusqu'à Force Michel, si vous voulez, et comme ça. C'est certain, pendant cette là, ils n'ont pas besoin de faire le même boulevard, il y a des zones avant même et pendant cette Cap Haïtien, il y a des plus d'efforts qui font pour Kembe. Puis là, on petit place propre, et récemment, puis gros marché deuxième ville pays, qui trouvait dans le centre ville Cap Haïtien. Bien, j'ai fort et autorité municipale de fait pour qu'ils puissent tenir ça. Alors, dis-je, par contre, il y a qui dernier fois après ressorti au Cap, mais qu'est-ce que vous faites par rapport à porter les MVP, messieurs? Alors, bien content, en fonction de, non seulement correspondant, et moi-même mal au Cap tout. Et m'a dit que, au Cap en question fatra. Et moi, c'est que, et moi-même, moi dit ça, il me signait derrière, qui dit que, et magistrat, yo vraiment pas à la hauteur de Tachio dans la deuxième ville pays. Et m'a baronné, ou à des versions de là, et m'a prédit de me signer derrière. Le va faire débat sur ça, non, on va donner un signe, tout non. Sauf que moi, je dis, c'est réalité Haïti. Avec dit, parler de Cap qui sale, parler de Jacques Mel, parler de Port-au-Prince, parler de Port-de-Paix, parler de Wanamet, parler de Port-Liberté, c'est réalité Haïti. C'est réalité Haïti, oui, nous d'accord, autorité municipale, dans toute commune qui est toute grande ville dans le pays, faut aussi que c'est ça, surtout là, pendant la période fête là, il y a vraiment ce que quoi qui fait. Alors, tout à l'ouvre ligne pour les gens qui sortent tout côté et cap fêter là, je veux dire, Cap Haïtien, et parce que c'est important. Alors, nous sommes parlé de avant les trois ensemble d'activités,
de Poudil, Ben Bassia, pas capable d'être présent samedi, mais c'est un citoyen haïtien qui vit à l'étranger, Robinson d'Haïti, Jocelyn Pérez, qui décide pendant la période fête cap haïtien, qui inauguré au Soublé, Comfort Plus Hotel, dans la deuxième ville pays, qui pouvait l'île entre sous-boulevard, à 90 là, boulevard 90, rue 24 et 25 Parrainage. Donc, Comfort Plus Hotel, c'est lui-même qui vient dans belle fête là, inauguration cette fête. À un certain moment, pour moi qui n'en a, était Beau Rivage Hôtel, pour moi qui mon au cabu, était Beau Rivage Hôtel, eh bien, acquisition de Ben Bassia, eh bien, ils ont inauguré pendant le week-end ça, soit samedi qui se passe là, oui. Samedi qui est 10 août, eh bien, Comfort Plus Hôtel, dans la deuxième ville pays, Comfort Plus Hôtel qui trouvait déjà dans Reich, et ils ont inauguré le deuxième. Et localio, on l'autre confort plus souvent comme ça dans le deuxième pays qui vient à bénéficier de davantage. Et au même qui à l'étranger qui a coûté vous passer la parole, ou même tout déjà dans la villa, et bien pendant la villa, nous croisons pour aller dans Confort Plus Hôtel dans le deuxième ville pays. Et nous gâchons en fait samedi sous passé là. Confort Plus Hôtel, sous Barolé, c'est ancien Beau Rivage Hôtel, juste le PRS Robinson d'Haïti. Ismaël Valestin, Robinson Haïti. Moi-même, je connais une participation budgétaire mairie du Caplan, et puis implication, bien sûr, du secteur privé dans cette fête-là, dans cette grande fête qu'on présente nous grande, et de façon grandiose. Là. Bon, avant, Ismaël, répondre à une question, ça, la mairie a un budget de 64 millions de gouttes. Est-ce que la mairie joigne toute l'argent ça à Robinson et Valestin? Alors, des possibilités de mettre pas tout le monde pour nous parler, parce que c'est important pour nous parler avec pas tout le monde qui c'est une maire jointe deuxième ville pays a d'apporter parler avec lui sur question budget, mais nous connais comment l'état lui même pour lui fonctionner pas bon ici monsieur papa. C'est crédit que nous voulons mairie au fait, et bien ça Robinson crédit assez souvent. Après, il y a des questions pour eux. Nous connaissons l'État, il est en pile. Et nous connaissons les mairies. C'est des mairies, mais dans le cas païtien, c'est un mairie autonome. Mais qui n'a pris deuxième catégorie, je crois, eh bien, il dépend de l'État central. Donc, ça veut dire. C'est un budget tout pérès, c'est un budget de 64 millions de gouttes. Et nous avons planifié une parole avec Patrick Almono. On essaie de faire ce contact là très rapidement avec Patrick Almono, parce que c'est important au Benson d'Haïti. Oui, ça adapte très bon, vraiment très bon. Pour que. Avec Patrick Almono, le temps nous capable d'avancer, monsieur. Bon, juste un petit contact là avec Patrick Almono. C'est un agent exécutif intérimaire dans la deuxième ville pays. On fait un petit contact avec, Naptoune. Ils sont faits, Ismaël Valestin présenter nous de façon grandiose. Quel est le budget? Je apprécié ça. Vous avez un petit coup de balai, fait. Vous avez ces villes là propre, un petit coup de balai fait. Je vous en Mairie au Cap-là, c'est peut-être un bail qui nous connaît. Et à la mesure où mon ami Florissa Biguès. Qu'on salue, Florissa Biguès, bon bagage. Et monsieur fait un bon parti au Cap-là. Et nous vivons dans la ville au Cap, nous gardons là, et Myrien, nous plus ou moins, tu as fréquenté déjà jour. Moi, pas dit que magistrat n'a pas une volonté. C'est pas samedi. Moi, dit que. Gagner on série de côté au Cap haïtien parce que au Cap pas boulevard seulement. Voilà. Parce que des gens qui m'ont dit que c'est boulevard seulement. Non, au Cap pas boulevard seulement. Au Cap, boulevard sont un lieu commercial. Et Mounio, dépensé comme il y a que le Dominicain, que l'Haïtien, ils ont fait boulevard un côté que mon agréable. Mais même les gens ont fait boulevard agréable. L'autre bon pont est agréable tout. Barrière bouteille était agréable tout. Par exemple, moi-même, toujours à fun et spike et hispan sous question et barrière bouteille patrimoine. Par exemple, je dis à la catastrophe, regardez barrière bouteille. Et barrière bouteille, c'est la bastion fatraille même. Ok? Alors, tu as Ismaël Tombaga qui est extrêmement intéressant comme d'année. Et question route, d'autres bois pour envoyer un travail public, mais écoute,
L'Amérique a impliqué, et pas Wilson. Et pas Wilson. Wilson je dis fait. Impliqué dans des malades. C'est le premier citoyen. C'est pas travaux publics qui fait ou Delma. Parce que José Alom on a parlé, ou, même si vous avez tout cas de problème à Wilson jeudi. Ça c'est pas grave, pas ou. Mais quoi que soit ouais, visible. L'on pas dit. Bon, pendant que je tourne à Mérie, je vais tout aller bah, ça. Hier soir, nous faut parler de Normil, magistrat Normil. Magistrat Normil, on dit Jean excité, monsieur Rilé et Jodinien, et vous dites que nous fanné. Mais nous pas fanné magistrat Normil, au contraire. Comment est-ce qui est extrêmement important, l'homme qui vit dans l'État, pour vous parler avant, pour comprendre. Et comment est-ce qui dit, ouais, deux mondes qui ont d'esprit, dit aussi facile pour nous discuter, avec quoi, c'est tout le monde qui dit, ouais, pas assez de capacité pour comprendre. Laisse moi dire une chose. Quand on a parlé de l'Amérique, on a parlé de Pétionville. Et il y a des idées positives que Robinson vient d'arriver à soi, magistrat Normil. Magistrat Normil est capable de faire assiette fiscale, enrichir. Augmenter l'assiette fiscale là. Augmenter. Parce qu'il y a d'autres communes qui entrent dans la commune de Pétionville. C'est-à-dire qu'il y a plus de monde qui vient de louer. Il y a plus de monde qui vient de Batika, qui vient de Cop déjà. Qui vient de Batika. Dans Pétionville. Il y a plus de business. Ah, bah, grand pile business là. Et ça, nous dit pas là hier soir, et mon ami. Nous parlons de constat que nous faisons. Par exemple, nous parlons sur route frère, nous m'achetons les lits, nous pile fatra, qui m'a pile blocus. Nous parlons de Nazaréen, de Nazaréen descendre, c'est vraiment la catastrophe. L'autre, par exemple, devant Saint-Jean Bosco, c'est la catastrophe. L'autre, par exemple, devant tribunal là, c'est catastrophe. Mais, monsieur Normil, parlez de sécurité. C'est votre job, mon frère. Ou c'est magistrat? Ou ces premiers citoyens communaux. Et moi, c'est que l'appel que nous faisons pour vous. Hein? Si vous avez des gens qui ont fait la mairie, qui n'ont pas fait travail, yo, nous, on doit râler les oreilles pour nous ouvrir les gens sur le monde. Et puis, si nous avons mangé au magistrat, nous ne pouvons pas dire que le téléphone nous ouvre, rêvez-nous pour nous parler. Rêvez-nous, ouais, c'est pour nous poser certaines questions, qui ça fait faire travailler. Et nous avons un exposé pour au moins. Si c'est pouvoir central là, si c'est ministère intérieur pas bon l'argent, ou pas grâce à l'argent pour les fatrayo, si c'est matériel qu'on a besoin, ou t'as toutes les possibilités pour parler de ça. Mais je dis à Olore, les papas des journalistes, comme on a des journalistes qui ont blindé, qui ont crasé le pays. Qu'on crasé le pays. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Qu'on crasé le pays. Les magistrats Normil doivent. Nous avons parlé de ça, nous avons dit, mettez des fonds, 38, 38, 65, l'élim. Pour nous faire parler, pour nous connaître exactement ce qui a peine. Magistrat de ménage. Ok? Parce que je ne vous dis rien, son bagage nous faire pour nous ouvrir chez vous. Mais mes problèmes n'étaient pas rien. Certains mouns n'étaient pas rien. À chaque fois où vous essayez, vous aidez, pour vous, vous êtes en médeur. Et qui ça, vous avez été pour faire, c'est éliminer les façons. Pour pas m'aider encore. Mais ce n'est pas possible. Parce que je ne vous dis rien. Dans la petite ville. C'est pour nous tous. Nous sommes chez les années 84, 85, 86, dans la Pétionville. Et son Pétionville qui était agréable à voir. Mais je dis, pour qui ça? Voilà. Bon, sûrement c'est magistrat. Regardez vous le T'as bien, mais qui c'est? Vous connaissez ça, dit? Vous ne connaissez pas? Regardez ça. Ah, mais regardez vous le bah, quoi, bon, c'est dit, bien content. Vous comprenez? Ah, ok, l'allée. Ok. Je dis, à Florestan Bigas, moi, je pense que Haïti, c'est pour nous toutes que lié. Haïti, dit pour Robinson, dit pour Wackenson, dit pour Florissa Bigues, dit pour Justin Pérez. Je dis à quoi vous des gens qui vont se baptiste à Haïti, à dire celle au Guéen. C'est celle au petit Desalines, celle au petit Pétion, celle au petit Christophe. Pas qu'il y en a nous qui héritier de eux. Et samedi, dit à soi encore, ça qui fait pitrice. Non, en Haïti, c'est le monde qui a 0% voix. C'est des cafés brisés, c'est des palais plus fort. Moi-même, par rapport à tout, peut-être à tout propos que m'était Kembe hier sur les affaires magistrat Normil, et moi, c'est que s'il était très intelligent, je veux dire, il a supposé mettre en place des centres d'accueil temporaires, parce que, bon, bagage magistrat Normil, il n'est pas qu'on est. Grand pile femme qui a dormi, place voyée là, oui. En France. C'est des déplacés que vous voyez. Pourquoi ça s'appelle des centres d'accueil temporaires? Alors, si me dit magistrat ça, me péché. Et, mon cap dormi, c'est famille là, il y a des jeunes filles, hein,
qui dormit dans la place Boyer, qui dormit dans la place Boyer, et il y a des gens qui ont fait, qui ont harcelé le soir. Il y a des gens qui ont fait violence sexuelle même, pas harcelé, violence sexuelle même sur eux le soir. Alors c'est premier citoyen vilain, comme si c'est moi-même qui pouvais dire ça, ou qu'on ait d'autres communes, ou, je ne dis pas, José Pérez, il faut admettre ça, Florestal Biguès, je ne dis pas, la commune de Pétionville, c'est une commune haute. C'est lui-même qui a recevoir d'autres communes, je ne veux dire. Il y a des mounes, il y a des mamans qui viennent, il y a des jeunes filles qui viennent, qui passent journée dans la place Boyer, qui chita, et le soir, ils dorment. Et il y a des violences sexuelles qui faites sous eux. Magistrat Normil, est-ce que c'est moi-même qui pour apprendre ça? Sous tes métiers des centres d'accueil temporaires, est-ce que ça t'a fait? Je sais pas, c'est moi pour apprendre. Magistrat qui n'a pas d'oubli qui a touché pour ça, moi pour apprendre ça? Et pour être Thomas Robinson, Pétionville, c'est une commune qui est riche. Et qui on veut qu'on barre, ça c'est pas qui garde. Pétionville est très riche. Et Méria, il y a un problème. Parce qu'il y a des taxes. C'est même genre avec Cafo et avec Delma, il y a un bon petit cob. Ce sont des mairies, magistrats pas capables. Tabac, au certaine époque, il y a fait tabac tout. Mais je dis à ce n'a pas gardé l'état tabac. Mais il faut fournir Simon et Vépiel. Alors, quand on parle de ça, magistrats vont vous épier, ils vont jumper. Mais c'est pas jumper pour jumper. Pour qui ça, je ne dis pas, on apprend des magistrats, on n'a pas dit où sont jeudi, par exemple. Je dis qu'il y a un problème personnel. Je dis, je ne vais pas être où était. Je dis que vous avez raison. Mais nous pas rentrer dans le bail comme ça. Que va être, on va garder où sont jeudi. Mais on a parlé de ça, le fait positif, de ça, le fait bon. Mais, d'un côté, il y a un défi pour où sont jeudi tout. J'ai la bataille. Vous comprenez? Son côté qui. Quand ils sont en pile de filles, donc ils sont fatras. Mais il faut que nous disions ça fait qui bon moi. Pétionville, on te dit ailleurs, vu ça que nous en matière de tout, en matière de la boue, en matière de fatras, moi je me dis que Pétionville était en côté pour fermer pour Bobtel. Ça c'est mon opinion personnelle. Qui va gagner pour canter la parole, qui va gagner pour avec Radio Mega, ça va avec Radio UniFM, c'est. Position personnelle, moi, son côté plus haut. Parce que nous voyageons dans le pays étranger, mon frère. Mon magistrat à New York et Giuliani. C'est mon côté qui était des Bronx. Qui t'a pas de problème énorme. Mon pas passer là. Mais magistrat dit pas comme ça, mon cher. Magistrat dit pas comme ça. Mon bon matin, il crase. Quand c'est ça. Parce que ça crève. C'est pour les citoyens vivants. Si il y a une sécurité dans la commune, c'est responsabilité pas. Bien sûr. Il faut travailler avec la police pour destituer ça. Bon, mais il a dit qu'il met sécurité, mais tu veux dire qu'il met sécurité. Mon ne peut pas me dire. Bon, moi, il y a qui fait mal en pile avec magistrat Dormil. Non, il y a pour le relax. Il prend responsabilité face à moi qui habite sur Villio. Parce que je ne veux pas dire, bon, me dis ça. Ah, ça carré, si vous non, bon, dis ça à mon qui est bon, dis ça à mon qui est son vilio. Tout profil, il fait débat avec là, s'il vous plaît. La première chose, font magistrat, Normil, font recensement des compétences. Parce que ce n'est pas des moins que rien seulement qu'à Vinbetonville. Il y a des gens qui ont pile valeur, pile compétence qu'à Vinbetonville là. Et il faut le faire tout en intégration économique. Il y a des gens qui ont l'argent qui sont de l'autre côté qu'à Vinbetonville là. Faut qu'on ait eu. Faut qu'on ait un magistrat. Faut qu'on ait un recensement, au moins pour utiliser pour le développement communal. Ça, magistrat, non, il a raconté là. Et en commune dans le groupe de Pétionville, pas qu'à jouer de machine fatra. Bon, il y a un problème. C'est qu'on dit feu pas là. C'est où ils sont jeudi qui vous sauve. Et voilà. Bon, bah explique-moi. Bon, bah explique-moi. Magistrat, jeudi, a fait un travail dans 95 ans. On s'est des routes en dedans. Ok? On s'est des routes en dedans et travail à fait. Ok? En dedans. Là où travail en dedans, petit route ça y pour être capable, mes espèces magistrats, vous êtes où? Allô? Allô? Bah, c'est magistrat, non? Magistrat, vous t'en dites? Bah, on est dans les oreilles, mais. Allô?
Si vous avez fait dans 1995, et puis, Maïsra Jésus commençait à mettre béton à terre, commençait à faire un travail, ben, ça. Ou qu'on a gagné des zones, Maïsra va le faire. Et tu veux le déclarer, c'est pour délire. Et puis, je dis, Maïsra Jésus, pas rien doit arriver dans la zone, périmètre ça avec Pétionville. Eh bien, ça passe à périmètre ça. Eh bien, regardez, moi, je le casse, non. Il va faire, non? Bon, monsieur! Magistrat, je dis, pour le faire, audio, et puis sinon, c'est pour Pétionville. Et ça, on n'est pas sur une zone. Tout côté, faites pas un côté qui vient d'avoir. Tout côté que vous avez fait, tout côté que Pétionville n'a pas fait. Si magistrat est intelligent, ou pas qu'il est simple, il a fait. Il doit jouer son bagage avec son jeudi, pas un problème, ou mettre travail pour moi, et puis, Pétion, il a pris son combien. C'est. Qui est-ce qui t'a bénéficié de ça? Simon Delmar, 95, il t'a bénéficié de ça. Vous avez fait. Et c'est ça tout, route ça, t'a permis que la commune de Pétionville enrichit à cette fiscalité, côté que. Mais t'as commencé ça. T'as contribué bien la commune? Mais ça n'a pas dit, oui. Et puis nous, pas de problème. Non. On connaît magistrat tout qui a renforcé l'infrastructure locale. Par exemple, il est capable d'utiliser présence déplacée pour justifier, bien sûr, des investissements, soit dans des écoles, des centres de santé. Parce qu'il y a plus de monde qui vient jouer nous. Nous ne comprenons rien de magistrat normal, franchement. On a une opportunité comme ça, on ne peut pas l'exploiter. Et puis, qui soit fait, on ne va pas dire rien, on ne va pas faire rien. Où est la population de Pétionville là? Moi, je dis solennellement à le camper devant mairie Pétionville à exiger ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il y a des fatras. Il y a des fatras, et puis. Pas des fatras, mais aussi exploiter cette ambiance de déplacer. C'est une ambiance, hein. Cette ambiance de déplacer. Parce que ça peut porter fruit. C'est ça qui a porté fruit, mes amis, en exploiter. C'est le premier citoyen commun noyé qui a exploité ça. On va pas exploiter. Qu'on dit ça, et que place ou pas là tout. Écoute, moi, je pense que Gary Kony, qui vient du ministre intérieur là, c'est pour 4 branches que Gary Kony gagne. Quel que soit l'amour qu'on gagne pour Gary Kony. Alors, allez, 4 Gary Kony là, il m'a dit que oui. Moi, non, faut me dire Gary Kony ça. Le premier ministre pays, il faut me dire ça. Le premier ministre vient du ministre intérieur. Et ça arrivait. Sous Ariel Henry, du premier ministre ça, du ministre ça, et puis mettons directeur général, qui a fait travail dans le ministère intérieur, personne n'a pas eu l'atterrissement. Je veux dire, moi, bail, premier ministre en consultation ça, gratis, et m'a dit des paroles à tout, mon qui est en cabinet, mon qui se porte parole dit, attendez ça m'a dit. Je dis à monsieur le premier ministre, mon commission pour évaluer le conseil municipal. Ouais. Pas de route pas boire dans ça, monsieur le premier ministre. Mon commission de 3 membres pour évaluer le travail commission communale. Et il y a plusieurs mécanismes qu'on est capable d'utiliser pour évaluer le travail de l'administration communale. Par exemple, il y a une administration communale qui a 3 personnes, qui a 2. Il y a qui a 3 qui ont un seul monde. Par le cas de Gonaïve, son seul membre qui est là. Il y a un qui est dans Biden. Il y a un qui est malade. Mais. Moun qui avait droit et place là, ce n'est pas Myriam. C'est Moun oui, qui va carrer sa terre. Oui. Et c'est ce que Moun ça va toucher. Ce que j'ai pour évaluer en administration communale, c'est garder vous qui ça fait en question d'ordure, que j'ai vu, qui j'ai comme commune en propre. Et puis, garder vous question caillou, garder qui j'ai une construction à faire. Parce que la mairie vous beaucoup dans la construction. Gardez pour état marché, parce que c'est important. Et puis gardez rentrer taxe. Mais rien. Parce que
ça qui arrive avec haïtien, je veux dire. Les voter moun non poste par exemple électif. L'homme magistrat monsieur, son gros job. Oh, gros job. Magistrat a un pouvoir même pour l'organiser examen officiel dans la commune nuit. Est-ce que ça ou il y a pouvoir ça oui? Est-ce que ou changer pas quoi magistrat non mais comme ça. Attends Robinson. Ou changer qui ça Ousmane la petit frère fait Jovenel Moïse Zakari. Pendant Jovenel Moïse vous est bâti un stand. Et quand bien lui. Et la loi balle doit ça oui et mon ami. Oh mais c'est mon frère, c'est le premier citoyen. Dis quand Jovenel Moïse oui? Bien sûr. Parce que la loi balle doit ça. Et je dis si magistrat prend conscience de tête, bon, j'ai des doigts dans le carrefour, j'ai mon qui regarde là, j'ai fait pas mal de photos dans le carrefour, mais hey, qui pas assez? Qui pas assez? En tout cas, je pense que nous-mêmes, nous open. Oui, donc, c'est open non, pour que nous baillons nos conseils sans l'argent. Hein? Nous n'avons pas besoin d'argent. Écris-nous, nous avons des conseils. Parce que nous-mêmes, nous là pour ça. Et c'est ça, oui. Le Al fait par exemple, il fait des. Comment est-ce qu'on fait et là on prend Mério, parce qu'au Cap, on connaît Mério, il y a plusieurs coopérations avec Mério New Orleans, il y a tout des coopérations avec Toulouse, on va dire comme ça. So, normalement, on pense que c'est des bagages qui sont importants, côté que si on a fait des échanges entre Mério, on nous fait bénéfique. On nous garde Delma fait des échanges avec Canada, on nous garde que ça, Canada, pas aussi, on nous dit. Pompiers, et un paquet de bagages. Mais si nous parlons intelligent, nous ne pouvons pas ouvrir cerveau, nous ne pouvons pas parler. Si nous ne parlons pas anglais, alors nous ne parlons pas anglais. Parlez-vous, non? Si nous avons fait bouger, pour nous expliquer un bouger, faites bouger pour nous. Mais je dis à vous, si vous. Bon, monsieur, vous êtes juste, vous ne pouvez pas passer de nous, non? Quel que soit le côté que vous voulez, c'est vous qui voulez pour bien. Monsieur, toi, Pétionville. Alors, justement, par rapport à un conseil, vous parlez de consultation, nous n'avons pas de prétention, bye. Magistrat normal, conseil, non. Ni consultation gratis, nous n'avons pas de prétention, ça nous pas intéressé non plus. Non. Cependant, non. La presse a un rôle éclaireur, vous jouez là, un rôle éclaireur. Il y a une population, la population de Pétionville, vous prenez conscience en journée aujourd'hui que vous maire qui vraiment pas mettez à jour à exigence commune. Et c'est ça demandé, nous mettez à jour. Que le mettez à jour. Tout simplement. Voilà. Tout simplement, monsieur magistrat. Et c'est un serviteur. Monsieur. Pour magistrat, prenez son serviteur qui est lié. Monsieur le maire, non doux que mal passé. Ouais, voilà. Dans la question Fatra. Très mal passé. Et pas seulement Fatra, à tous les niveaux, hein. À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Waouh. À tous les niveaux, si nous tapons numérique là, à tous les niveaux, d'ailleurs, nous sommes dans un bagage là. Et il essaie de déplacer qui place est là. Figure. Place publique qui a souffri là, faut qu'ils mettent des centres d'accueil, bagaille, temporaire, bagaille comme ça, pour prendre mon yo en charge et un système d'installation sécurisé, etc., pour mon yo pas victime de violences sexuelles en dedans place publique. Yo. Et évidemment, il y a des gens qui ont monté son ville, c'est des gens qui ont l'argent, qui ont compétence, qui ont des recensements qui fait pour intégration économique, mon yo. Et puis, quand magistrat, on a fait ça. Quand on a dit, mais c'est quoi, Pétionville, conseiller de côté, qui t'a fait noir, nous caractérisons pas d'air. Mais c'est que, quelle possibilité pour ça? Combien de l'argent, même? Combien de l'argent, même? Quel argent? Combien de l'argent? Combien de l'argent? Combien de l'argent? Combien de l'argent? Ou pas de taxes, vous payez ça, c'est où? Parce que là, l'histoire est jugée. Il n'y a pas jugé pour qu'il y ait un magistrat, non? C'est pas l'histoire jugée. C'est évident. Mais c'est que, pas fait travail, vous. Là, quand on dit, non, mais là, on dépasse Pétionville, il fait zéro. C'est pas zéro. Qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est l'homme? C'est pas. Désolé. Désolé. Qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est l'homme? Si l'histoire a jugé, il a dit que, mais ça ne fait pas ça. Ou bien intérêt, mon frère, pour corriger Caillou, pour l'histoire, passe ou bien. Ok? Ça, c'est important. Et justement, le micro nous était ouvert. Pour magistrat. N'importe quel, maître, n'a pas la veine, sans problème. 38, 33, 65. On interview cordial avec lui, sans aucun problème. Ok. Et en attendant, pendant que Naptan, Justin Pérez, Ismaël va les régler nous pour Patrick Almonor, Naptan, ça va être avec Naptan, de pied ferme. Et nous avons. Citoyens, ça a des moments humiliations, mais. Qu'est-ce que ça, Patrick Almonor? Oui, mon cher. Ça passe. Oh, citoyens, fait une chute avant deux heures de temps, mais il y a Naptan. Quoi, c'est. Tellement, monsieur, il y a autorité? Ah, mon cher. Ouais, qui me l'a dit, mon cher, je suis un gros, mais au Cap, ça.
Aïe, 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 citoyen, ça fait ça, mais c'est qu'il ah, vite ton sac, frère, vite ton sac. Finalement, dégagoumé, à Israël. Moi, il va pas Israël, ça, dégagoumé la faille. Alors, justement, et bien sûr, pendant l'abtan, Jean-Ismaël Valestin, notre confrère, notre ami, et fait nous parler avec Patrick Almonor, et noter son dossier qui est assez important, bien sûr, c'est le fait que le CP, et le Premier ministre Gary Conny décliné invitation pour participer à l'investiture Louis Abinadel qui a fait le 16 août le 16 août 2024. Alors ce que je commençais à dire tout à l'heure, que je pense que c'est une très bonne décision. Compliment. Une très bonne décision. Compliment au CP. Compliment au docteur Gary Conny parce que c'est un acte de souveraineté. Hein, ou pas qu'à fermer espace aérien et pour dire et monsieur yo vienne participer dans investiture comme président et de la République dominicaine. Moi c'est une très belle décision parce que la diplomatie Florestal Buguès c'est pas une affaire de président, une affaire de roi. La diplomatie ça permet bien sûr la rencontre des peuples et même sous point ça me songe un excellent très bon roman qui est écrit par un écrivain haïtien qui sont des grandes danses, qui est René Philoctète, qui est Florestan Buguès, c'est-à-dire non, t'as des titres romans, le peuple, et pas dire les peuples, non, le peuple des terres mêlées. Et la République dominicaine et Haïti, ce sont des terres mêlées, et nous sommes un seul peuple. Le peuple des terres mêlées. Donc si c'est le peuple des terres mêlées, au fermé espace aérien, et qu'on pense que nous-mêmes, nous pourrons participer dans l'investiture comme président de la République, non, nous ne va pas faire ça. Et je content. Mais son piège tout. Ah, mais son piège. Son gros piège, parce que si vous allez là, le pays a commencé. Oh, population, t'as dit P.O. Ah, mon cher. Il n'y a pas besoin déjà, non? Il n'y a pas besoin de piège, ça. Compliment au CP, compliment. Ouais, ça va besoin là. Ah, bien sûr. C'est pas un bail qui m'ouvre. Oui. On a dit ça qui fait qui bon. Mais, oui. Que non, ça fait ni bon, nous avons des bons mal. C'est une bonne décision. Et voilà, moi, c'est que le ministre des Affaires étrangères, Madame Dominique Dupuy, compliment. Ou bien réagir, madame. Bien réagir. Et même, je me débarrasse de madame dans la Yassoua. Selon ça, ma pointe, je dis que faut madame dans la Yassoua. Merci à vous, monsieur le ministre. Madame, je ne sais pas si madame, il faut me faire qu'il. Madame Sapoua? Oui, madame Sapoua. Madame Florestan. En tout cas. Florestan, non, je me disais, c'est une bonne décision. Oui, et pensez que. Ça, c'est fait. Tout le pays est content de telle décision. Parce que c'est nommé gay. Mais, excusez-moi, et Joseph Pérez, Gombagay qui était fait, est-ce que l'ambassadeur d'Haïti. Dans la République Dominicaine, il l'a toujours. Par contre, c'est là, mais c'est là toujours. Bah, je vous allez. Non, il était que l'avoyer, lui. Non, il va. Ah, il va voyer le conseil, Je ne sais pas, les mêmes. Boudel complet. C'est ça qui est l'opinion décision, mon nom, mine, Jolie. Ya. C'est ça qui. Ballon belle claque. La République Dominicaine, yo prend Haïti pour un poubelle. Savane, ya. Et yo prend Haïti pour un savane. Comme si tout ça avait été fait, il y a qu'à faire avec Haïti, nous-mêmes nous avons le droit pour nous protester. Si nous regardons le canal, si nous regardons par exemple plusieurs accords avec traités qui signent dans la question canal, là. Mais mon frère, pendant nous, c'est pour la première fois que nous essayons d'utiliser le canal, là, nous-mêmes, nous faisons n'importe 10 à 20 fois. Personne ne va dire. Oh, dans le débat, nous faisons la titre de nous prendre là. Il y a ton pompe pour aller droit net. Mais ça crée. Esprit yo. Esprit yo boule pompio. Chaque météo, yo boule yo. Peut-être aller de douanet pour ne pas jouer. Je ne sais pas, mon nom est. A vivre, papa. Mangez où? Mangez, Dieu gagne en mettant, ne pas que vous devez passer nous. Mon a prié, oui. Seulement parce que vous vendez, pas de route. Pas de route. Mais c'est ça, demain, c'est fait. Demain, c'est. Je veux dire, vous savez, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous alors, comment vous avez dit, à chaque fois nous on voyage avec Florestan Buguès, vous avez dit, 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 non, vous voulez me dire, que tu rires, alors là, tu ne l'as pas souligné, Jocelyn Pérez, il y a que.
Notre ami Floristal Biguès a gagné une adresse à au premier ministre Gaï Koni, hein, au premier ministre Gaï Koni. Mais OK, on en profiter de ça. Et on va regarder ça monsieur Gaï vous dit déjà pour dire mais pas un problème. Et mais ça activiste politique ça monsieur. On parle juste Justin Pérez. Vous connaissez ça coûte $1 million. Bon, moi c'est ça me balle dire, il met 10 millions, il tape mieux. OK, bon et bonsoir Félix Aviguès. Bonsoir Justin Pérez, bonsoir auditoire et Radio Mega et Uni FM. Et c'est un plaisir pour moi avec nous et pour nous parler pays et je t'ai son grand appui. Félix Aviguès, c'est ça langue du bois, souvenir de la question balle bonjour. OK. Faut make sure à l'aise pour répondre. Bon, bah, c'est moi-même, Floris Talbigues, nous avons ça. Représentant à Colaria ou vous venez non Floris Talbigues? Représentant à Colaria, Floris Talbigues, à soi mélanger. Il dit que vous avez deux chapeaux. Jusqu'à toi. Ok. Ça que nous faisons Talbigues, sans vous compter la parole. Je dis à moi, je viens lancer un message by chaque Grenadien. Premier message que je dis pour chaque Grenadien, c'est qui ça nous voulait faire pays? Qui ça nous décide de faire à Haïti? Parce que je dis à senti chaque haïtien destin ou pas en Haïti encore. Nous sommes chaque haïtien destin ou non l'autre pays. Nous sommes haïtien fier tel je dis à c'est le monte en avion. C'est le la petite pays à les sentir réussi. Je dis à moi midi chaque haïtien capitaine débouquanter la parole. Moi-même, Floris Talbigues, je viens de poser une question. Qui sont décidés? Est-ce qu'on décide de quitter Haïti? Est-ce que destination pas Haïti encore? Parce que je dis à vous, clair à vous. Je sais pas, ça va vraiment faire mal. Pour moi, regarder le 14 août 2024, côté c'est des gens qui ont battu, qui ont manifesté. Des gens qui ont demandé un avis meilleur. Des moun kap di premier ministre Gaï Koni que yo grand goût. Des moun kap di premier ministre Gaï Koni yo pa ki côté priorité. 14 août oui. 14 août 1791. Rive 14 août 2024 Haïti pou go à fond. Peuple haïtien leader politicien pays mio démystifier peuple ça. Jodi a Justin Pérez. L'on dit haïtien, ou dit yon peuple qui résistant, ou dit yon peuple qui gagne nan. Mais je dis à m'en senti population découragé. M'a gade visage moun yo, ou senti yon grand gouvre. M'a gade visage moun yo, ou est yon soif sécurité a vraiment. Et m'a gade visage PM Gaï Koni, PM l'a gen volonté. Mais PM Gaï Koni, volonté pas suffit pour sa gen là. Je dis à chaque grand haïtien t'a supposé poser des questions ça. Qui ça me doit faire pour m'aider Haïti dans ça là? Parce que moi-même n'a pas prendre bâton pèlerin dans toute radio. Je dis à nous c'est 14 août 2024 on fait mouvement. À Colari a sorti et ne pas sorti seulement dans public seulement, nous sorti dans plusieurs autres zones, plusieurs autres côtés pour nous parler, pour nous dire qui ça que nous senti. Je dis à moi c'est Sibukman. Tu es là, il va être fier du peuple ça. Si Bookman est là, il va être fier de situation nous est là. Mais je dis à PM Gaï Koni, est-ce qu'on pas converti tête ou en Bookman? PM Gaï Koni, est-ce que je dis à un petit mot sur conscience? Pas ta possible pour dire bon garde dans quelle mesure m'bra haïtien qui authentique yo. Haïtien qui conséquent qui veut goumer pour pays yo. Pour me garder quel mesure mettre avec eux pour me faire faisceau pour me retirer Haïti dans ça là. Je dis à vous-même qui la caillou poser cette question ça. Est-ce qu'on pas senti ou commencer honte petit tout? Est-ce qu'on pas senti ou commencer dérouté? Est-ce qu'on pas senti Haïti ça que on te connaît c'est pas Haïti ça que la connaît? Je dis à nous en dans la caillou nous peur. Nous dans la rue nous peur. De votre côté nous y a nous peur. Est-ce que n'a tout été dans la peur ça? Est-ce que pas bon moyen que nous ga changer ça? Je dis à moi-même Floris Talbigues son jeune garçon, nous c'est haïtien. M'ba gen, m'gen passeport même m'ba nan Biden. C'est là mien, c'est là madame moi. C'est la petite moi. Je dis à m'vinn mande support pa ou. M'vinn mande kembe même
pour nouvelle Haïti pour nous construire un bagage ensemble. C'est pas pour mes pays qui ont problème ça. En 1929, les États-Unis étaient en crise qui pire que Haïti. Même des gens Franklin Delano Roosevelt qui devine en New Deal, qui te met tout américain ensemble pour te kembe main jusqu'à ce que te vienne en nouvelle donnée que tire les États-Unis de s'allier là. Est-ce que je dis à nous pas qu'à fond faisceau? Est-ce que je dis à nous pas qu'à utiliser l'union ça pour nous faire la force? Bah c'est chaque haïtien qui attendait. Moi-même Floris Albigues, bah j'aime faire ça non? Je choisis faire ça. Dès que vous voulez goûter, vous mettez WhatsApp sous 34 85 51 61. N'importe jeune candidat d'université là qui voulait bataille. N'est pas de jeune garçon en deux pays qui connaît que nous construisons un bagage ensemble. On met WhatsApp moi. 34 85 51 61. Je sais pas, dans sa Haïti est là. Haïti besoin de monde qui croit dans lui. Haïti besoin de petit lio. Parce que population, ça gagne là, c'est deux bagages à attendre. Dans mes autorités. C'est sécurité. Pour ces machins nous vacuer à l'occupation. Pour population. Vacuer à l'occupation pour moun yo ka au moins chercher pe quotidien. Deuxième bagay, c'est garder dans quelle mesure gen des programmes sociaux pour ça qui plus faible jeune chance pour ka survivre. Mais je dis à PM Garigoni, moi bouke parler, moi bouke marcher en tant que jeune garçon, et moi même moi clair sur ça que m'a dit, moi vle yon lot Haïti, moi vle pour la jeunocratie t'a prôné en dans pays là. M'a goumen longtemps. Même ba jam jeune monde qui gen chance, qui ba chance pour mettre pour fon faisceau avec. Je dis à ça le camarade et qui dans accord unité d'Haïti yo et allié qui au moins fait un faisceau durable parce que yo kembe main. Yo croit dans bataille qu'a mené pour Haïti là. Mais je dis à gon pile l'autre groupe dans nous rejoindre bataille ça. Dans amen rejoindre ça que nous perdu là. Souveraineté que nous perdons, nous avons rejoint. Je dis à moi-même, je demande ça. Je dis ça. Ouvrez les oreilles, nous, chaque haïtien. Si Kenya n'est pas capable, que vous quittez le pays. Nous sommes les haïtiens qui disent ça. Si Kenya n'est pas capable, Haïti n'a pas besoin de danseurs. Moi, je suis un bon danseur. Oui. C'est au rivière, porte la main, je danse bien. Mais dans ce nous n'avons pas besoin de danseurs. Dans ce nous là, nous n'avons pas besoin de qui vient cause à femme. Dans ce nous là, nous n'avons pas besoin de qui vient manger bon, qui manger pays. Nous besoin des nègres qui viennent là, qui pour la sebote pour aider PNH avec FADH, avec nègres la meilleure, viennent jouer un moyen pour mettre sécurité dans le pays, pour ouvrir action. Je dis à mon clair sur ça. Un policier a touché monsieur, moins que 600 dollars américains. Un agent kenyan qui vient là, c'est policier, ah oui, qui a protégé lui. Parce que arrive quand il est là, si ce n'est pas la police qui couvre, il va tuer et puis il va parce qu'il tire tout de côté. Police a touché moins que 500 dollars américains, monsieur. Police a non insécurité alimentaire. Ça veut dire, vers midi, je que si moi-même baguette, la caméra fait manger son, on plan brun, en badra, la police qui vient de faire ça. On dit, policier, après l'arrêt ton machin, machin, il va l'acheter, tu manger à midi. C'est la face à nous, là, oui, je suis bien ici. 500 dollars, moins que 500 dollars, mais qu'on police a touché. Un agent kenyan a touché près de 1500 dollars. Monsieur, pour faire qui ça? Pas qu'à faire ça. Ambassade américaine, comme on a des gens qui ne veulent pas parler avec nous. Ambassade de France, ambassade Canada. Toute ambassade dit qui est accrédité en Haïti, m'a dit nous ça. Je dis, la population pas capable encore. Haïtien ou dit assez. Jeunesse pas capable encore. Je dis assez pas offrir nous un programme pour nous quitter le pays nous. Mais offrir nous moyens pour nous vivre dans le pays nous. Nous voulons vivre dans le pays nous. Fierté nous pas aller le moto en avion, font une vidéo pour nous dire au revoir Haïti. Je dis non, nous pas d'accord. Nous sommes bouqués. Faut que des Haïtiens qui admettent que Haïti c'est pour lui. Je dis à grand pile monde qui va comme ça, on n'est pas de pays où il y a des portes, il y a vos vins Haïti, oui. Si vous avez des nous des autres, il y a vos vins Haïti là, il y a des portes, oui. Pays, mais pas pays où non. Je veux dire, pour qui ça ne va pas créer des programmes dans le pays là. Ça qui me dit ça, monsieur. Ça fait mal, je me dis ça. Intellectuel dans le pays là, des nègres dans le pays là, qui soit disant dans l'université dans le pays là,
ma nous garantit nous échouer. Si je dis, fierté nous, c'est quitter Haïti pour nous arriver dans l'autre pays. Côté que en pile nous médecins, nous allons lever boîte là, pas de problème. Mais si nous en Haïti là, nous avons un complexe pour lever boîte là. Mais Flo Stabiguet, c'est me sens que tu dis dans station radio que c'est au même qui pone pour voir ça là, qui pone lui-même. Et maintenant on va pas adresser des reproches à ce gouvernement, à ce pouvoir et sous pone pour que ça pone dans ce sens ça que les poko kabay résultat que au même ou tu aspiré à lui-même là. Mon cher Femme Claireau et PM Gary Koni pour bagalité gagner dans profil lui. C'est un PM jusqu'à moi, on a parlé à tout le monde. C'est pas un politicien. Il est gentil. Il est capable à tout le monde. Mm-hmm. C'est un monde qui peut apporter de tout le monde. Malgré, c'est un premier ministre qui gonti tête du lac. Alors, il est prêt pour le côté tout le monde, même pas prêt à dire tout le monde, non? Oui, il est prêt pour bien parler. Mon cher premier ministre, Gary Koni, il a pile volonté. Parce que, Robinson d'Haïti, il est clair qu'il a famille, il a quitté activité. Les choisir vite non pays tant que Haïti. Vin ba un coup de main. Mais c'est un avantage. C'est un avantage. C'est un avantage parce que il pas démissionné bien avant que il était nommé premier ministre. C'est un avantage. Mon cher Fondé. Et t'as lui nommé l'avant et puis non bon tout bagage. Et va servir nous. Je dis à Fond Baba tête nous menti. Écoutez, il a laissé son confort parce que il vient faire burly là, on va essayer parce qu'il pas démissionné dans poste li avant que il était nommé. Mon cher Mbakouri dit ça. Ah bon? On voit comment bien. Avant même, moi juge un monde, je garde qui acte de bonne volonté qui vous fait. Je dis, PM Gary Koni, ça que moi-même Gary Bochel Gadil, il n'y a pas l'heure pour marcher dans tout l'hôpital. Je dis, c'est pas l'heure pour ou général ou Benameux, c'est pas ça. Pas de promenade. Pas de promenade, je dis. Population besoin de sécurité. Population en grand goût. Monsieur Flan est en pile, Monsieur Flan est en pile. Non, PM le BBM, le fin à billet, le fouet là. Non, ça, faut que PM Gary Koni connaît. Affaire pour Nabil. Monter, descendre, aller, Benameus, alouer, docteur, déblier, ouais, sous des gentils anciens petits ménages, etc. Nous, pas un moment ça. Jean Papi a dit, nous, pas rien à faire ménage là, brigue là. Jodi, green bagaille pour PM Gary Koni connaît. Masse défavorisée, aptenni. Nèg ghetto yo aptenni ni. Jodi a population haïtienne aptenn bougan ak sa débloqué. Faut moun le capable c'est matissan. Faut moun le capable c'est peigné à l'aise. Faut moun yo ka vaquer occupation yo. Yo sa ki fait champette. Imagine au 15 août a fêter. Pour pas gen moun ki besoin à l'ocap si c'est pas moyen avion ou pas ka l'ocap. Oui mais justement et Floristal Biguet c'est moi même gen problème ça le fait qu'on a coussé pour voir ça, demander pour que ça c'est comme ça on modèle, pour que ça pas modélé pour voir ça, dans le sens que le décabal résultat côté aspiré à lui-même là. Mon cher Ali, est-ce qu'on trompe jusqu'à maintenant? Parce que c'est pratiquement toi le créateur de ce pouvoir, parce que on toujours dit ça. Mon cher Femme Claireau, jusqu'à maintenant pas lié là. C'est à quoi l'arrière, ma fille? À quoi l'arrière? Pour voir Mamdou, premier ministre a une volonté. Deuxième bagaille Mamdou, pas bon monde qui a changé Haïti dans 2-3 mois. Mais volonté n'a pas suffi, il faut que moun avo. C'est pas premier ministre, c'est pas que moun a changé Haïti dans 2 ou 3 mois. Bon, pour que ça fait toute exigence ça à premier ministre là. Non, faut bon, mais pour que ça pas le temps. Non, machine non. Parce que puisqu'on croit c'est dans une éternité le capable changer Haïti, pour que ça pas le temps. Et pas une éternité. Et pour le bagage pour qu'on est, machine non, pas marcher seulement à volonté. Ou quand il y a une volonté, mais il faut statuer. Vas-y, monsieur, vous statuez. Non, vous payez la boucle statuer. Ou qu'a toujours bien volonté clair en amont. Ou dou son bon conducteur. Mais faut prouver, yo dia faut stat. Yo dia on li clair pour bonne baie dans pinan. Je l'ai regardé. C'est des graves PM a fait là. Là on est tant que Ronny Timothy qui a quitté dit li pas dans Normil Rameau, qui t'a dit lui-même, li pas dans Gary Koni. Je dis ouais c'est Ronny Timothy ça qui censé presque porte-parole gouvernement. Je fais pas faire pays à ça. Je dis à fond que des gens qui côté PM là pour dire PM là tout va mal. Moi même pas la PM Gary Koni, dit PM Gary Koni. On parle un parisien. Tu ne vis pas à Paris. Ou c'est un haïtien. Venez là pour bagarre, vous faites faut PM là au moins que 7 bottes.
7 bottes. Oui. Ça veut dire. Lundi, il faut le mettre bottes. Si c'est bottes noires, vous le serrez dans la pied. Mardi, vous le serrez dans l'autre bottes. Parce qu'il faut le tout type de bottes. Parce que dans ça, Haïti est là. Dans la profondeur, nous vivons là. Il faut qu'on ait un qui a volonté. Qui ça a accord la rue en aptant de pouvoir là. Qui ça a le vli? On ne peut pas nous vli. Sécurité. Comment a accord la rue aider pouvoir ça et rétablir sécurité? Mon cher, il faut que la phase li est là. Si nous avons dit que nous avons aider. Faut faire clair, il y en a qui viennent là comme Mati Valjou, ils ont un plan de sécurité, bon, et Robinson d'Haïti, nous pas qu'on nous élabore non. C'est-à-dire en tant qu'accord, c'est-à-dire en tant que structure, c'est-à-dire nous pas qu'on nous plan, nous pas qu'on plan. Nous proposer. Non. Est-ce que nous faisons des propositions? Nous faisons des propositions, nous récupérons un gars économique. Proposition non c'est qui ça lit. Non, nous récupérons un gars économique. Proposition non c'est qui ça. Faut qu'on est tout en matière de sécurité. Ma gavine nos radio là qui nous écoute le niveau ça pour nous plan sécurité mais qui ça relie. Ça nous te proposé PM non mais qui ça relie. Non, m'a pas dit ça. Mais nous faisons des propositions. C'est pour ça que nous disons ah bon? PM gars économique. Et dans le jour pas le vin là, m'a garanti. PM gars économique, pral bon marché pressé. Parce que le peuple n'a pas qu'à attendre encore. Je ne vais pas vous révéler en détail ce que tu dis. Proposition en détail. Non, proposition, c'est mais bon globalement, la proposition que vous avez faite. Bon, quelques points. Allez-y. Pour le bagage lié, il faut qu'on ait que PNH a une pile. Bon, mettre du PNH a une volonté. Et nous gagnons un DG PNH là, son est qui crédible. Ouais, moi, Floris Talbigas, je me dis, on est crédible, crédible. Non, mais le hameau, c'est où on est le cas, vous bougez de tout bas. C'était quoi la proposition? Eh bien, faut m'élaborer, on va m'avancer. Allez-y. Voilà, d'accord? Je dis, si, non, mais le hameau, joignez-moi, et vous dépolitisez la police là, ni l'armée, je vous garantis. Agent qui est venu là, c'est des agents qui parlent avec la police. C'est la police qui a indiqué à Jekenia au Mekamp. C'est dans le là qui vient là, c'est dans la structure la police qui est là, il a fouillé pour le travail. Parce que Normil, Rameau, c'est son stratège. Nous avons un pile auditeur très avisé, capitaine, nous la proposition, même si tu ne vas pas dans les détails, non, la proposition c'était quoi? Non, pas vraiment. Globalement, la proposition c'était quoi? Bah, vous êtes là. C'est une proposition pour rétablir. C'est une proposition. Non, non, t'es gagné. Proposition. Bon, proposition, même si vous ne pas rentrer dans les détails, c'était quoi? Moi, je ça déjà. Assumer à quoi la rire. Assumer là à quoi la rire. Proposition, c'était qui ça? Proposition, il est clairement défini. Des indices, il faut que PM l'a changé. Qui indice? Par exemple, nous ne parlons pas, c'est pas un série de magistrats que nous connaissons en un pays. Il y a des soupçons de corruption qui sont liés avec un série de gangs, etc. Que nous pas USCC, nous pas en série de instances qui là qui a dit des corruption ou soit nous pas la justice okay. En soi, c'est-à-dire nous pas USCC, nous pas la justice de l'information, nous pas gain, mais c'est une proposition floue. Non, pas flou. Ah ben proposition pas flou, c'est pas flou dans quel sens que proposition à quoi la rien qu'à aider PM là. Robinson d'Haïti, ça m'a dit la faute dans les biens. Non, mais pas voulu. Non, c'est auditeur, non, non, la parole, non, 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 que soit la corruption, you know, le tété langue à gang, etc. Nous avons l'autre bagaille que nous dit, tout le monde a une proposition. Mais c'est flou. Bon, peut-être qu'à flou. On parle des soupçons. Non, on parle des soupçons. Non, on est à flou. On parle des soupçons. Non, ça n'arrive que le flou. Mais si c'est soupçon. Mais moi-même. C'est-à-dire, est-ce que tu as des faits? Non, 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 non,
Ou voulez que nous entrions dans le domaine du bas domaine ban. Bon. Nous avons proposé, mais nous pas qu'à c'est flou. C'est bien flou ça. Non, il flou. Il flou, il flou. En matière de sécurité, nous pas ça. Non, nous pas ça. C'est bien flou ça. Merci. Merci. Merci à vous. Bon, Justin Pérez, avant d'aller, il faut moi remercier l'auditoire là et vous garder la parole. Et moi-même, je voulais dire que chaque année, c'est tout. Pour les bagages pour gagner, que nous perdus, il faut nous apprendre à mes pays. Parce que moi, nous perdus ça. Et nous disons que Robinson d'Haïti a parlé de J'aime Haïti. Ah, bah, j'aime Haïti, ça, pas de problème. Je pense que si tu as un livre que nous avons supposé même faire avant on est chef, il faut que tu aies au moins étudié davantage. Moi, c'est J'aime Haïti, c'est très, 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 très important pour qu'on ait quelques notions pour aimer le pays. Deuxième bagaille. Mais, Fonsotin, ça que j'aime Haïti. Je parle de J'aime Haïti. Oui, c'est vrai. Moi, Robinson d'Haïti, j'aime Haïti. Florista Lugas. Vous parlez d'un livre qui s'appelle J'aime Haïti, qui s'appelle dit, qui est capable vraiment d'aider les Haïtiens. En sérieux? En sérieux? Moi, c'est ça, son grand débat. Ah, c'est un grand débat. C'est un grand débat et c'est un autre débat. Ouais. Ok? Moi, c'est que, Justin Pérez, et pour finir, et moi-même, dans les structures à Colaria, et maintenant, et PM Gary Conny, on va aller à ce soir. PM Gary Conny, même l'eau pas qu'à faire toute bagaille, ou pas, et où il dit, mais, population a tant de sécurité. Mais, il y a une sécurité. Même le parent érudit, garde d'un. C'est un érudit. C'est pas un omniscient, c'est pas un homme qui sait tout, mais c'est un érudit. Bon, en tout cas. Ouais. Même passé, garde d'un quelle mesure, dossier grand goût, maël. Mon yo grand goût. En pile. Dans le visage, mon yo ouais au grand goût. Lorsqu'on est en train de ghettoa, ou ouais mon yo grand goût vraiment. Et puis dans le dossier nettoyage, mes amis, alors moi, on a parlé de un sujet là. Monsieur, je sais pas si tu as parlé de Ocap. Bon, Ocap là, son bastion de Fatra. Il me dit bastion de Fatra comme si ville la salle. Malgré volonté, ou qu'a gagné, mon maire, etc. Mais l'opin est Ocap, Ocap est mieux que ça. Mais c'est même si on a parlé de Pétionville. Pétionville, je ne sais pas si tu as dit. Souvent, tu voulais montrer comme si Fatra ou qu'on parle pas si Pétionville avec. Mais, on ne sait pas si nous connaissons tout. Fatra dans le pays souvent politique. C'est-à-dire? Parce que mon compagnie là, bon, ça est d'après ça que qui a rapporté, mon compagnie là, tout qui fait politique à Fatra, magistrat qui a ramassé Fatra, jeudi, lundi 3h, 5h, Fatra, même Fatra a ramassé, on a même goûté. Bon, faut savoir bien. Magistrat, monsieur. Faut savoir bien. Mais ça, mais ça me dit. Parce que la commune t'appartient quand même. Parce que mais ça me dit. Seul pour les citoyens. Mais ça, moi, je ne dis pas là. Pas oublier que magistrat, ils ont gagné des agents que ils ont nommés. Et que ils ont mis dans la commune pour aider. La voirie. Ok, voilà, ça, voirie. Moi, parce que je dis, quand une bagarre pour nous dire à mon cap gérer communion. Je dis à nous responsabilité nous à Dibois pour que